Salut tout le monde, c'est Hartman et on se retrouve pour une nouvelle partie de Obscur. Donc la dernière fois, je suis un peu mort en bas à cause d'un mec qui m'est tombé dessus. Donc je vais essayer d'éviter de retomber sur lui. J'ai fait une pause depuis la dernière fois, mais... je me suis fait peur en tirant la caméra. Bon. Est-ce que c'est... Non. Je remonte vite fait. Avant que l'autre ramène sa tronche. Si vous êtes quelque part en bas. C'est vraiment par là qu'il faut aller? Il va pas me dire que je quitte la zone de jeu et que j'ai que 3 secondes pour venir, sinon je meurs. Je crois qu'il faut défendre. Hein. Mais oui, je vais pas descendre comme ça. Ouais, je suis en train de courir, je sais même pas où je vais. Là, je vais essayer d'aller par là où il était. Non. Hé! C'est dégueulasse ça. On recommence. Je recharge. Il se barre donc. Ça a sacrément baissé les batteries, quoi. Ah, c'est fermé. Ça aurait été étonnant. Ah bah c'est ouvert. Je peux grimper par là? Je suis rentré, je suis rentré. Elles sont tout le temps fermées ces grilles-là. La vache. Rejoignez le père Martin par les niveaux supérieurs. J'aurais peut-être dû rester quand même plus longtemps dehors. Là, ça recommence ces couloirs exigus.
Là, c'était... J'étais là tout à l'heure. Y'a quoi? Y'a un mec en face? Je peux l'ouvrir? Là-bas après. Repensant, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh là là. Ok, il y avait un mec là-bas. Allez, une batterie. Voilà. En même temps, c'est peut-être mieux que la porte soit fermée là, parce qu'il me semble que c'était celle-là qu'il y avait un mec qui voulait ouvrir tout à l'heure. Pourquoi il a fait une sauvegarde? Avec une batterie, je vais pas aller loin quand même. Donc là, je suis dans l'aile des femmes. Ah, c'est pour ça qu'il y a une blanchisserie, parce que c'est les gonzesses qui font le ménage. Voilà, j'ai tout compris. Bon, je sais que je vais à l'étage, mais... Bon, allez, je vais y aller tout de suite. D'accord. Je me suis fait une fausse joie. Je trouvais que c'était trop facile pour une fois. Bon, il y a des casiers. Ils ont entendu mes prières. Hein. C'est par là où je suis arrivé tout à l'heure. Je regarde les toilettes au cas où je trouvais une batterie. Hein. Bon, y avait un mec tout à l'heure, mais. Recharge. C'est où? Il m'a poursuivi, mais il était pas très motivé. Il me voit en noir? Est-ce qu'il me voit?
si je bouge pas. J'espère qu'il n'y en a qu'un. Ça m'intéresse. C'est quoi ça? Deux piles. Je crois que je suis bon pour descendre à la cave. Hein. Ils me disent d'aller à l'étage supérieur et je descends, logique. Alors, blablabla, journal. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas parlé de nazi dans un jeu. Oh, d'accord. Super, moi je veux juste discuter gentiment et je me fais poignarder. Alors là, c'est vraiment pas cool. C'est dégueulasse d'être mort comme ça. Ah, j'ai... Faut que je récupère les batteries. Ça, laundry, chute. Voilà. Je suis déjà. Ah, il faut que je récupère les batteries. Il y en a pas ici. Ah oui, il y a lui là. Donc je me barre. Je récupère la batterie là. Il fait quoi? D'habitude, ils me poursuivent et... Oui, bah vas-y! Ah, je fonce. Il m'attrapera pas. C'est fini les vacances de Noël. J'ai tout exploré. C'est dans cette pièce-là qu'il faut faire quelque chose. Je vais quand même essayer quelque chose.
Ouais, je vais quand même garder la caméra. Voilà. Manquerait plus qu'elle soit fermée celle-là. J'aurais l'air bête. D'accord, il y a un lit, je peux me cacher. Ça fait comme les gamins, quoi. Qu'est-ce qui est encore arrivé ici? Faut vraiment donner plus de moyens aux hôpitaux, quoi. Jusque-là, ça, c'est linéaire. C'est juste si je suis poursuivi que ça va poser problème. La chute à linge nécessite 3 fusibles. Ok, et pas plus simple. Me fait peur cette andouille. Salut, ça va? Salut. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est super mal entretenu, quoi. Bon, j'étais de l'autre côté tout à l'heure. C'est toujours fermé. Ça aurait été flippant que ça soit ouvert. Drive in the... Je sais pas ce que ça veut dire, une nail. Ça peut être cool, je suppose. Pourquoi je peux fermer la porte? Ça va être pour ça. Je me demande par où il est arrivé. Ok, je peux barricader avec la porte. Mais ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Allez, je recharge. Des casiers, ok. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est un petit peu linéaire là. Ça m'arrange. C'est juste quand je vais me faire poursuivre. Je vais essayer le coup du placard. Il m'a vu. Il fait quoi? Il m'a pas vu. Il est parti vers la gauche. Ok, ça m'arrange.
Je sors. Je sais pas où il est et franchement, j'ai pas envie de l'attendre. Me fait peur l'autre avec son fauteuil roulant. D'accord, je pourrais me cacher sous le lit là. Attends, on les trouve par deux les piles. T'invites de voir. Ah, le Wall Rider, d'accord. Y'a un mec là ou quoi? C'est bien que j'avais vu un mec. Chut. Normalement, il doit pas pouvoir me voir. Donc, il me reste plus qu'un fusible à trouver. Il y a un lit où je peux me cacher. Je sais pas si c'est très malin ce que j'ai fait là. Non. Ça n'a pas l'air. Je me barrais par là, mais. Ça m'arrange pas, quoi. Oh, bof. C'est reparti. Aïe, oui. Je vais me barrer vers la gauche, là. Ah ouais, d'accord. La technique de fourbe. Je me suis caché au même endroit que tout à l'heure, mais... Mais non. Il n'a pas idée de venir ici. Je recharge. Ah! Faut que je retourne en bas. Je sais pas s'il me poursuit pour de vrai, lui.
Et où la porte? Il est juste là. En fait, il m'a jamais voulu de mal, ce mec. La clé d'accès au niveau 3. C'est quoi? C'est pour l'ascenseur? Il a besoin de crier comme ça. Qu'est-ce qui peut être lent, lui? J'ai rien dit. Allez, je vais changer de batterie dans le noir, en courant. Loupé. Faut remonter à l'étage? Yes, c'était ça qu'il fallait faire. Encore? Précisément. Et... Bon. Ben, je crois que j'ai bien avancé pour aujourd'hui, donc on va s'arrêter là sur Follow the Blood. Super mon accent anglais. Salut tout le monde, à bientôt.